Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mystique et moi, on vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube. Donc Mystique, c'est un Varanus prasinus, ou varan arboricole. Donc il fait partie du complexe prasinus. Donc comme elle est venue directement dans ma main pendant que je nettoyais le terrain, bah, j'en profite pour vous la montrer. Cette petite merveille qui a énormément grandi. C'est un truc de fou. Donc madame vit en couple avec Logan depuis quand même un petit moment maintenant. Qui est juste derrière. De toute façon, je vais vous le montrer en vidéo, en gros plan, ce sera quand même plus simple. Mais franchement, je suis trop content parce que, comme au niveau gabarit, elle était quand même beaucoup plus petite que lui. Bon, moins maintenant parce qu'elle a quand même bien pris du poids, bien grossi. Qu'est-ce que c'est beau. Alors, je ne les manipule pas beaucoup. C'est peut-être un tort parce que c'est quand même une espèce qui est quand même hyper facile au niveau déjà du maintien et au niveau de la manipulation, c'est une espèce de dingue. Mais c'est pas le sujet, hein, Mystique. Le sujet, c'est quoi Mystique aujourd'hui? C'est quoi le sujet? Le sujet, c'est je redéménage, recarton, re-boîte de transport et ainsi de suite. Donc là, on va partir à plusieurs voitures, donc un camion de transport plus la voiture et une voiture assez conséquente qui sera vraiment dédiée aux animaux. C'est-à-dire que moi, normalement, j'aurai, si tout va bien, Maiko, le chien, avec moi. J'aurai le chat. Dans l'autre voiture, il y aura même une troisième voiture. Il y aura tous les reptiles. Donc, dans des boîtes spécifiques, caisses. Donc, en plus, comme on déménage à la fin du mois, donc c'est prévu qu'on mette des caisses bien aérées, bien faites. Parce que au début, on voulait les mettre dans le camion. Mais vu les températures en fin de mois, s'il fait 20 en extérieur, dans le camion, il va faire 30 degrés. Voilà, il y a certaines bêtes qui ne résisteront pas à ça. Donc quand c'est l'hiver, j'arrive à mettre des chaufferettes. Donc au moins, j'arrive à les transporter. Par contre, l'été, si dans le camion, je suis sûr qu'à l'intérieur du camion, à l'arrière, je pense qu'il va faire facilement 30 degrés. Ça va, tranquille la vie. Donc retour sur la région parisienne. Donc pour ceux qui voudraient entre guillemets me rencontrer, on se reverra sûrement à la ferme tropicale ou sûrement dans les bourses qui sont dans le nord. Il y a plusieurs bourses dans le nord qui sont assez sympathiques, dont une qui fait sa première édition, le retour de la bourse d'Arras. Franchement, je suis même étonné, mais ravi. Donc on risque de se croiser là-bas si j'y vais. Et je sais qu'il y a d'autres boutiques qui sont assez sympas dans Paris même que j'ai découvert par des échanges que je ne connaissais pas. Et pourtant, Paris, j'y suis quand même resté quand même longtemps. Là, on est en train de préparer le déménagement. Donc ce qui va se passer, c'est que cette structure-là, je la laisserai comme ça, je pense. Je vais pas la démonter parce que j'ai de la place dans le camion. Là, hop, il va peut-être avoir un contre-jour. Là, l'espace des iguanes, il va être entièrement démonté, donc je vais mettre tout en plaque. Donc je vais faire paroi par paroi, donc je pense que je vais laisser les longues parois ensemble, et après démonter, je vais mettre des petits repères, parce qu'il y a des façons de montage et j'ai pas envie de me planter. Donc ça va me permettre en même temps, même si je l'ai changé il y a pas longtemps, de refaire toute la propreté des volières, parce que c'est des volières. Je vais refaire l'aménagement, le réaménagement, entre guillemets, tout nouveau au niveau des terrariums, au niveau des branches. Celui-là, je pense que je vais rester dans le même concept. Mais pour le terrarium des iguanes, je pense que je vais refaire entièrement. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une branche qui vraiment plonge dans le terrain, je pense que je vais en mettre plusieurs droites. J'ai récupéré vraiment des grosses branches de bois flotté au bord de la rivière. Ça va me permettre de refaire donc des branches droites, de faire plusieurs niveaux et d'avoir un meilleur... une meilleure gestion de la surface pour les iguanes. Et pour eux, je pense que ça va être un réaménagement aussi, mais plus soft, avec par contre un système de bassin, c'est-à-dire que le bassin sera en hauteur. Parce que j'ai remarqué une chose, alors pour ceux qui ont des varans arboricoles, quand je mets la bassine en bas, ils y vont pas. Quand je mets la bassine en haut, ils sont tout le temps, mais alors quand je vous dis 90% du temps, ils sont dans l'eau. Pour Dana, la Téju, Elle a sa grosse caisse de transport que je m'étais servi déjà pour le Paris à Toulouse. Et là, on va lui remettre dans sa même caisse de transport qui est bien percée, qui est vraiment top. Pour la femelle Boa, elle, c'est simple. Elle va aller dans un sac de transport vraiment prévu pour ça, plus une boîte où elle sera vraiment pas trop d'espace, parce que les serpents, on a tendance à vraiment les transporter dans des endroits assez exigus. Pour les geckos à crête, alors les geckos à crête, on a déjà des petites boîtes de transport pour eux, donc ils seront placés dans la voiture, parce que tous les animaux vont aller dans la voiture, à part le chien et le chat qui vont aller avec moi, mais tout le reste va aller dans la voiture. Pour le pogona, bah, elle ira dans la voiture aussi. On va rabattre tous les sièges arrière, donc on a vraiment une grosse place de transport. On déménage à plusieurs, parce que c'est quand même beaucoup plus simple, surtout qu'on a quand même pas mal de routes à faire. Là, j'ai calculé, si à l'aller, on a mis 12 heures,
parce qu'on s'est reposé énormément de fois, on venait de tout mettre dans le camion, donc on était fatigué. J'ai récupéré une maison dans la région parisienne, donc c'est vrai que c'est quand même assez sympa, avec une immense terrasse, donc c'est quand même un énorme plus. Plein soleil, donc ça va être extra ça pour les animaux quand je vais les mettre en extérieur. J'avais déjà prévu ça, c'est une dinguerie. On va avoir une pièce reptile qui va être un peu différente de ce que vous avez. Eux, ils sont tellement habitués à vivre dans le salon avec moi, vu que dans le salon, il n'y a pas de fumeurs. De toute façon, je n'accepte pas les fumeurs chez moi, ceux qui fument... voilà, c'est hors de question, donc ça sera dehors et pas à une part. Donc mes animaux ne sont pas pollués, à part peut-être par la musique. Les deux terras qui sont habitués à être dans le salon continueront à être dans le salon. Donc c'est vraiment une belle pièce dédiée pour ça. Il y a un petit projet qui n'a rien à voir avec les reptiles qui sera fait dans cette nouvelle maison, qui est un projet qui me tenait à cœur depuis pas mal de temps. Et c'est un projet nostalgie. Donc je rentre pas dans les détails, mais c'est un petit projet nostalgie et ça me fait trop plaisir de l'avoir. Je sais que dans la maison, on a un immense sas d'entrée. Donc je me demande si je vais pas me faire le sas d'entrée avec terrarium arboricole, gecko à crête, vraiment pour qu'on rentre dans la pièce, enfin dans le sas d'entrée. On est vraiment on rentre dans un monde de reptiles. La terrasse de mémoire a fait, je crois qu'elle a fait dans les 60 à 80 mètres carrés, je sais même plus. Alors c'est vachement large comme truc. Je suis assez content. L'expérience toulousaine touche à sa fin. Alors je sais pas si je ferai une vidéo du déménagement ou la préparation des bêtes pour les mettre dans le camion, enfin dans la voiture et une partie dans le camion. Je ne sais pas. Il y a pas mal de restructuration qui va être faite dans l'élevage. Alors je parle pas d'animaux. Dis-moi dans les commentaires si le déménagement pour toi, lorsque tu pars avec tes animaux, c'est vraiment... Une angoisse totale, parce que une peur, un stress, puisque franchement, moi je le dis clairement, on a déménagé l'hiver, on avait très peur parce que les températures, on est parti, avait juste avant la tempête de neige de Paris, et il a fait très froid, on est parti, il faisait moins 4, donc j'avais peur de perdre des animaux, heureusement, et je n'ai rien perdu. La seule bête qui est en plus, parce que j'ai quand même beaucoup moins d'animaux que quand je suis parti, la seule bête en plus, c'est Mystique, ici présente, tu viens ou pas ? Ici présente, bon elle a pas envie, ici présente, pour le reste les animaux, bah, je les avais déjà, donc ça va être sympa, mais c'est vrai que ça va être des caisses de transport style caisse pour chats. Moi ça me fait plaisir de retourner là-bas parce qu'il y a quand même, on a quand même entre guillemets les repères, c'est assez sympa. Et j'ai hâte d'aller aux prochaines bourses. Franchement, ça va être un kiff total. Je sais pas encore si je fais une vidéo du déménagement par... dis-moi dans les commentaires, puisque comme je dis c'est fait pour ça. Dis-moi dans les commentaires si... tu veux que je filme la mise entre guillemets en place des animaux dans le camion, ou je filme carrément le déménagement et que je filme le réaménagement de la nouvelle maison. J'attends ton commentaire et n'oublie pas surtout ce qui est très important pour le bien de la chaîne, le petit pouce bleu si tu as envie de m'aider. Il y a les réseaux sociaux, il y a Patreon, et moi je te dis à bientôt pour de prochaines aventures qui s'annoncent parisiennes. Allez, peace tout le monde, ciao ciao.